Chers élèves, je vous salue tous. Dans cette séance d'études, nous allons travailler ensemble la lecture et la compréhension du texte « Quels savants d'eux ?». Comme d'habitude, nous commençons par l'observation de l'illustration du texte. Sur l'image, vous pouvez voir Sarah, Samy et ses deux cousins Saïd et Camilla qui sont en train de prendre leur goûter. En même temps, regarder la télévision. Et la grand-mère Karima qui arrive avec une carafe de jus d'orange. On peut voir aussi Tilly qui est au bord de la fenêtre en train de regarder ce qui se passe dans le salon. Passons maintenant à l'écoute du récit du texte « Quels savants d'eux ?» Quels savants d'eux ? Et si vous voulez en savoir plus sur le toit ouvrant, les portes, et vous me demanderez demain, dit Tilly d'un petit air malin. Maintenant, je dois aller voir quelques copains. L'écureuil est à peine sorti que Camilla dit. Il a dû visiter la mosquée pour connaître tout ça. Impossible, s'écrie Saïd. L'entrée est interdite aux animaux. Pourtant, ce qu'il nous a dit est vrai, constate Sarah qui continue de regarder le documentaire. Heureusement que j'ai regardé cette émission hier soir, dit grand-mère Karima en entrant dans le salon. Il y avait moins de bruit. Juste Tilly qui avait l'air très intéressée. Je me demande bien ce qu'il a pu comprendre et retenir. Mes élèves, comme d'habitude, vous avez à écouter le texte une fois, deux fois ou plusieurs fois si nécessaire. Puis nous allons passer à sa compréhension. Dans la première partie du texte, nous pouvons comprendre que Tilly se donne de l'importance en disant aux enfants qu'il va leur parler des toits ouvrants et des portes de la mosquée Hassan II demain, car maintenant il doit aller voir quelques copains. Maintenant, écoutez attentivement cette partie de la suite du texte. L'écureuil est à peine sorti que Camilla dit « Il a dû visiter la mosquée pour connaître tout ça !» Impossible, s'écrie Saïd. L'entrée est interdite aux animaux. Pourtant, ce qu'il nous a dit est vrai, constate Sarah qui continue de regarder le documentaire. Les enfants, très surpris, chacun d'eux essaie de comprendre comment Tilly a su toutes ces informations sur la mosquée Hassan II de Casablanca. Vous allez avoir la réponse en écoutant cette dernière partie du texte. Heureusement que j'ai regardé cette émission hier soir, dit grand-mère Karima en entrant dans le salon. Il y avait moins de bruit. Juste Tilly qui avait l'air très intéressée. Je me demande bien ce qu'il a pu comprendre et retenir. Donc la grand-mère Karima dit aux enfants que hier soir, Tilly a regardé avec elle le documentaire sur la mosquée Hassan II de Casablanca. Et c'est ainsi qu'il a tout compris et tout retenu. Pour maîtriser la lecture, vous avez à lire ce texte plusieurs fois et à haute voix. Et pour évaluer sa compréhension, vous avez à faire l'exercice 9, page 64, et les exercices 10, 11 et 13, page 65, sur vos cahiers livres 2. À la fin, il me reste à vous dire au revoir et à la prochaine séance.